이 시간에 정명화 목사님께서 말씀 증거해 주시겠습니다. 정명화 목사님은 예수교 연합성교회 아프리카 총회 총회장, 케냐 나이로비 만민교회 담임이시며 아프리카 54개국을 대상으로 성결복음을 활발하게 전하고 계십니다. 이런 나라 빛을 발하라는 제목으로 말씀을 전해 주실 때 큰 은혜 받으시길 바랍니다. Lorsqu'il délivre le message intitulé « Lève-toi et brille », j'espère que vous recevrez une grande bénédiction. Alléluia. Qui est avec l'Église centrale Manmi depuis 40 ans et qui nous a bénis. Et je donne toute grâce et reconnaissance à Dieu le Père. Je remercie le pasteur principal d'avoir dirigé cette église avec amour et dévotion jusqu'à ce que cette église reçoive cette bénédiction et cette grâce maintenant. Je remercie également le pasteur principal par intérim de cette église avec. Le pasteur et le missionnaire qui travaille pour le salut des âmes dans d'autres pays et tous nos membres. Je remercie également aux téléspectateurs de GCN. Chers frères en Christ, aujourd'hui le 40e anniversaire pendant 40 ans, Dieu le Père a l'honneur de diriger cette église avec un amour et une grâce et de bénédiction incroyables. Le nombre de Malmine et moi, qui avons reçu une si grande grâce et de bénédiction, ne pouvons pas nous empêcher de rendre grâce pour l'amour de la position de notre pasteur principal du fond de nos cœurs. Les chiffres 40 dans la Bible signifient le temps de nouveau départ après la fin de la période de souffrance. Il a pris environ 40 jours et 40 nuits au moment du début de Noé. Après 40 ans de rapidement dans le désert, Moïse a conduit les Israélites hors d'Égypte. Et après 40 ans de souffrance dans le désert, les Israélites sont entrés dans la terre promise. Moïse est monté sur le Sinaï et a prié pendant 40 jours avant de recevoir le 10 commandements. Lorsque Jonas s'écria de la ville de Ninive, dans 40 jours, cette ville sera détruite. La ville s'est repentie et fut sauvée. Il a été venu par le Saint-Esprit dans le désert, a prié pendant 40 jours, a vaincu les tentations du diable et a commencé son ministère public. À travers ces exemples, nous pouvons voir que 40 jours et 40 ans sont une période de préparation avant d'entreprendre une grande tâche, et c'est un temps de préparation, et après ces temps, une nouvelle période de grâce préparée par Dieu s'ouvrira et l'œuvre du salut s'est déroulée. Par conséquent, je crois que le 40e anniversaire de l'Église centrale Manmin signifie beaucoup. Chers membres, quand nous examinons les 40 ans d'histoire des Manmin, dans la célébration du 40e anniversaire, j'espère que vous allez ressentir une fois de plus l'amour de Dieu le Père et qui nous a formés dans le moment difficile pour nous donner une bénédiction. Le 10 octobre 1990, nous avons offert le culte de l'établissement. Il y a eu les années 1990, le moment de poser la fondation de l'Église. Les membres de l'ouverture de l'Église se sont réunis et ont fini avec le Père. Et le pasteur principal s'est concentré sur la parole et la prière en tant que berger de cette Église. 13 personnes dont
les enfants. Ouais, c'est ce qui peut convertir et le nombre de membres a augmenté rapidement. Et en 5 ans, le nombre de membres a réussi à dépasser les 3000. La force motrice de cet étonnant rêve était la puissance de Dieu donnée à notre pasteur principal. Ceux qui ont expérimenté Dieu à travers la puissance sont devenus le prébit et les ouvriers de l'Église. Dans les années 1980, lorsque l'Église a été ouverte, Dieu le Père a expliqué la parole de la Bible, le fondement spirituel de l'Église par Jésus-Christ. Innombrables âmes ont été sauvées à travers le message de la croix qui montre clairement le chemin du salut. Le message de la croix est le plus fondamental de notre vie de foi, contient les réponses claires aux questions fondamentales sur la foi. À travers la parole, le message du mesir de foi, nous avons pu comprendre clairement le processus et la croissance de la foi. Beaucoup de chrétiens pensent que la foi est la même foi. Beaucoup de chrétiens ont une foi morte sans savoir qu'il existe une foi spirituelle, une foi charnelle. C'est un message révolutionnaire qui réveille ces gens. À travers la série des sermons sur l'âme et les corps, nous avons pu examiner nos cœurs en profondeur et nous changer en comprenant l'origine. C'est le message pour nous aider à nous débarrasser du moi et la contre-vérité qui avait été mal formée et accomplir la sanctification et la parfaite sanctification. Puis le Père a également expliqué au sujet du ciel et de l'enfer dans de nombreuses détails à travers le prière de notre pasteur principal, en révélant les horaires de l'enfer et la réflexion de l'enfer. Et il nous a permis de développer la foi avec le clair et une grande espérance en nous faisant connaître la beauté du ciel. Et quelques messages de base qui sont introduits maintenant. Dieu le Père a détaillé le contenu essentiel de notre vie chrétienne comme la prière, l'adoration, la guérison, la réponse et la foi. Il a également publié le message nécessaire pour accomplir la sanctification, la parfaite sanctification en réalisant la sanctification telle que le béatitude, les neuf fruits du Saint-Esprit, le chapitre de l'amour et les niveaux de bonté qui sont nécessaires pour trouver l'image perfecte de Dieu et de devenir de vrais enfants qui ressemblent au Seigneur. J'ai reçu la grâce de ces messages et j'ai rejoint cette église en 1988, alors que je souffrais d'une maladie. J'ai été repenti et j'ai reçu l'aide du Saint-Esprit pour être guéri et j'ai commencé ma vie de fou. Pendant 3 ans, j'ai découvert les œuvres du Saint-Esprit en fréquentant une église remplie de l'Esprit et je même suivi pour le public de 2 ans. Cependant, je me sens triste que je ne pouvais pas entendre l'enseignement sur le livre de l'Apocalypse. Alors, je suis allé dans la librairie et j'ai acheté et lu le livre sur les enseignements de l'Apocalypse. C'est un livre de Matthieu sous la direction de Dieu le Père. À la fin de 1990, j'ai acheté le livre de notre pasteur principal, La Manne pour Six. Pendant que je lisais le livre, j'ai réalisé spirituellement la grande et profonde volonté de Dieu le Père à travers le message sur la loi de la rédemption de la terre, et cela m'a donné une grâce et de joie. Ensuite, j'ai eu la confiance. J'étais convaincu que le pasteur qui explique spirituellement cette loi et la rédemption de la terre expliquera également correctement je suis immédiatement allé à l'extérieur de l'église Manmil et j'ai acheté une nouvelle cassette audio sur l'enseignement sur le 13e chapitre de l'Apocalypse qui explique les bêtes de la mer et de la terre et 666. En attendant ce message, j'étais guéri et je suis immédiatement retourné à la librairie et j'ai acheté environ 100 cassettes audio des enseignements de l'Apocalypse. Je les ai notées dans mes cahiers à l'écoutant le métier de journée. Alors que j'écoutais les enseignements pour le livre de l'Apocalypse, mon cœur prenait sauté de joie et de bonheur au message de la terre et qu'il ajoutait sur l'esprit, l'âme et le corps. Le mesir de foi, le message de la croix, les chapitres sur l'amour, les neuf fruits du Saint-Esprit et les béatitudes.
Et les 14 juillet 1949 a mis au monde la phrase est certes, c'est comme vous ne pouvez pas la boire, même s'il y a d'eau dans la mer, il n'est pas facile de trouver le message de l'esprit qui donne la vie, le vrai changement et la vie au temps de la fin spirituelle Dieu le Père nous donne la parole de l'Esprit comme il y a ça une capacité de manger de la sanctification combien c'est une grande grâce afin de rendre cette grâce nous devons d'abord rejeter tout le monde du mal devenir et atteindre rapidement la sanctification et la parfaite sanctification de plus prêcher du diamant et de manger de la sanctification au temps et le moyen de rendre cette grâce les années 1990 ont été une époque où le a grandi avec le mouvement et n'a pas laissé tomber ses apports à connaître le réveil et nous avons une de preuve pour la bénédiction. Le passé principal a été renvoyé de la nomination à laquelle nous appartenons. C'est une raison, c'est-à-dire lesquelles appropriées. Cependant, pour l'ami de sa très bien, le conseil principal a passé les tests sincèrement avec bonté et nous a fait établir une nouvelle dimension comme une bénédiction de la personne de prêtre. Comme a dit, nous avons fait accomplir librement le royaume dédié au niveau de la dénomination, pas au niveau de l'Église. De plus, l'Église a été invitée à divers événements religieux et politiques en Corée et appuyés en charge de l'ordre, le bénévole de l'Église, le membre du protocole, la chorale et l'organisme. Cet État remplit la tête de l'organisation nationale diffusant le parfum de Christ et recevant les louanges d'autres personnes. Cependant, et voulait non seulement ces charges de croissance quantitative, mais aussi que chaque membre de l'Église puisse devenir un grand. Ainsi, à la fin des années 90, Dieu a perdu trois grandes épreuves, consistant à séparer le blé et le vrai et à extraire le blé du pain. Après avoir traversé ces trois épreuves, il y a deux pasteurs principaux, une plus grande puissance auparavant. Les trois épreuves sont devenues un fondement précis pour la gloire de Dieu. Le pasteur principal n'a pas agi contre le mal, mais a répondu avec bonté et amour. Puis à partir de l'an 2000, un autre niveau de gloire a été révélé à travers cette Église. En 2000, à travers la prière du pasteur principal, le douce moine a été transformé en eau douce qui était l'œuvre des créatures. À partir de la croisade, en Ouganda, les œuvres exclusives de puissance ont commencé à déployer pendant ces temps. Je crois qu'il a mené le croisade au Japon, au Pakistan, au Kenya, aux Philippines, en Europe, en Inde, en Russie, en Allemagne, au Pérou, la République démocratique du Congo et les États-Unis, qui a travaillé avec une puissance incroyable en présence de dizaines de milliers, des centaines de milliers, même de millions de personnes. Il s'est fait du Saint-Esprit et finalement allé en Israël, extrémité de la terre. Le 25 juillet 2007, François de Nazareth, où Jésus Jésus a grandi, le pasteur principal a commencé son ministère de trois ans en terre d'Israël et a prêché sur Jésus-Christ, et non seulement aux chrétiens, mais aussi aux juifs et aux orthodoxes. Dieu le Père d'amour a travaillé dans cette église avec des signes de prodiges, avec des puissances incroyables comme ceci. Et même maintenant, il travaille de la même manière à travers le pasteur. Nous le voyons tous. Et combien nous sommes reconnaissants d'avoir pu rencontrer le lieu vivant de faire l'expérience de ces œuvres dans notre église, comme si nous les avions touchés et que la foi de nos membres a également grandi. De plus, dans les années 2010, un réseau chrétien mondial de diffusion a été formé, le centre sur Famille TV ouvrant la porte au ministère de diffusion et comme d'habitude un réseau de médecins chrétiens du monde et séminaire international. Le séminaire international MAMI a été organisé. La vision de la mission mondiale est devenue plus concrète. 2000 a été le point de départ
l'année de la récolte de ma mine a consacré toute sa force à l'évangélisation nationale et à l'action mondiale. Nous avons essayé de rechercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, comme le Seigneur l'a dit. Et cela est fait dans le plan de Dieu pour aider à récolter dans mon âme bénédiction selon cette parole. Et nous, vraiment, avons reçu des grandes bénédictions à la fois physiquement et surtout, chers frères et sœurs en Christ, en tant qu'étale, notre Église a d'innombrables grâces et bénédictions de Dieu le Père. Mais il y a une grande grâce et bénédiction que nous ne ferons jamais. Cette grâce nous a conduit à courir rempli du Saint-Esprit avec des prières ardentes sans cesse chaque nuit à travers la réunion de prière de Daniel. La prière est si importante qu'elle s'appelle la respiration spirituelle. C'est pourquoi la Bible met l'accent sur la prière. Dans Marc chapitre 9, un homme a amené un fils possédé d'un démon au disciple de Jésus. Les disciples le firent chasser les démons. À ce moment-là, Jésus est venu là et l'homme possédé du démon. Les disciples ont demandé à Jésus, pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser? Alors, Jésus leur a dit, dans Marc 9, 29, cette espèce-là ne pouvait sortir que par la prière. C'est une force d'en haut, nous devons prier avec ferveur. Nous avons entendu ce que nous voyons, nous devons prier pendant 2 ou 3 heures. Et pour recevoir la puissance, nous devons prier pendant plus de 3 heures par jour. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de croyants qui ne prient pas lorsqu'ils vont à l'église. Dans le dernier jour, alors que de nombreux endroits dans le monde ont été la lumière de la prière, Dieu nous a donné la grâce afin que chacun puisse prier en assistant à la réunion de prière de Daniel. Depuis, c'est la plénitude du Saint-Esprit dans la prière, le changement des cœurs, la réponse et le bénédiction. À la grande grâce et le bénédiction de Dieu. Notre Dieu a non seulement donné de bénédictions matérielles lorsqu'il est en prière, mais a également résolu divers problèmes de la vie. Si ce n'est pas la grâce de Dieu qui a fait la réunion de prière de Daniel, afin que nous puissions prier comme ça, et sans le travail à chaque fois de Madame la qui a établi son changement, il nous aurait été difficile de remplir la quantité de prières que Dieu a voulu de nous. Je suis particulièrement reconnaissant, Madame Ibrahim, pour l'expression de prière de ma mine, pour avoir dirigé la réunion de prière de Daniel avec un amour de dévotion immuable, afin que nous puissions toujours vivre et prier. À travers la grande grâce de Dieu, de nous accorder notre Église à prier, accomplir la providence de Dieu et de fier Dieu en portant le courrier que Dieu désire, célébrer les grands anniversaires. J'espère que vous et moi n'oublierons pas la grande grâce et l'amour de Dieu le Père et du Seigneur, ainsi que la dévotion de notre cher pasteur principal, cher en Christ. Nous avons examiné l'histoire de Manmin au cours des dernières années. Vous êtes venus dans cette Église par l'appel de Dieu le Père et à travers le pasteur principal, vous avez. Et vous êtes arrivé à comprendre la providence divine de la création et de la culture humaine et vous avez été élevé par le monde de la sanctification. De plus, nous sommes capables de voir et entendre des œuvres. Nous avons pu voir et entendre des œuvres de grande puissance et développer notre foi. Dieu nous a également amené à prier afin que nous puissions vaincre le monde et vivre dans ces bons moments de foi. Nous avons essayé de définir juste Dieu le Père était satisfait alors que nous avons pu se porter et nous ne pouvons pas le laisser de parole de Dieu à cette église. Ces églises dont nous souhaitons sans perdre le monde, nous courons avec confiance. Avec confiance, la parole de Dieu le Père, avec la parole de Dieu le Père et le berger, avec le Seigneur, il nous a donné cette grâce. Combien nous sommes reconnaissants encore, il est dit dans un mot, car le Seigneur ne tient pas défait sans se voir révéler, sans se créer, et a permis à Isaïe de prédire la providence de la culture humaine et la promesse d'Isaïe, le procédure et l'accomplissement.
Et chapitre 1 à 9 d'Isaïe prophétise la réprimande du légitimement sur le peuple rebelle d'Israël. Et les chapitres 40 à 66 prophétise que la bonne nouvelle, c'est-à-dire le grand chil, sera prêché sur cette terre en envoyant le peuple d'Israël sur cette terre. Isaïe 61 dit : Lève-toi, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. C'est la parole qui nous dit que le Saint-Esprit est déjà venu et qu'il travaille. En d'autres termes, il prophétise la volonté de Dieu le Père qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance et la vérité en envoyant le Saint-Esprit pour témoigner de Dieu le Père et du Messie Jésus-Christ. À la fin, au temps de la fin, à travers notre pasteur principal, bien élevé, ses filles de Manmin, avec la présence de l'ange du Saint-Esprit, et à travers le rappelement de la croix qui nous a béni pour devenir le reste, qui nous a conduit à glorifier Dieu comme ses rejetons. En examinant les 40 dernières années, je ne fais que rendre grâce pour j'ai mentionné la parole dans Isaïe 60, 21, 22. Tu auras pris de Jésus parmi ton peuple, ils posséderont à tout le pays, et la région que j'ai plantée, le lèvre de mes mains, servir de ma gloire, la petite déviendra, et moi, une trahie nation puissante pour l'Éternel, j'ai attiré ces choses en leur temps. Je pense que pourquoi Dieu le Père a-t-il fait que le membre de ma vie devienne le reste à travers 40 ans de formation de foi et sont devenus de rejetons plantés par Dieu le Père, comme il est dit. Il n'y aura puisque de juste parmi le peuple, ils procéderont à tout le pays. Sans devenir juste, nous ne pouvons pas posséder le ciel. Est-ce que Dieu le Père nous a donné la grâce de devenir juste par la parole de sanctification et de prière prenant ainsi le flot de la parole de sanctification. Alors, que dois-je faire, moi et vous tous, et qui avez reçu telle grâce pour que vous aider de la terre de la nouvelle Jérusalem pour tout le monde. Je me souviens des trois choses que le président principal a enseigné et demandé. Premièrement, il a dit que nous devons vivre dans la lumière. Deuxièmement, il a dit que nous devons recevoir la puissance et la lumière du Dieu vivant. Troisièmement, il a dit que nous devons proclamer ardemment le vent de la sanctification et prôner de l'œuvre de Dieu. Premièrement, nous devons vivre dans la lumière en tant que terre, que ce devrait être Dieu. Vivre dans la lumière, recevoir la puissance et accomplir grandement l'évangélisation nationale et la mission mondiale. 1 Jean 1, 7 à 7, la nouvelle que nous avons appris, que nous avons appris de lui, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, qui a pour le Dieu des ténèbres, nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchons dans les ténèbres, et nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité. Ainsi, si nous marchons dans la lumière, il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et les sons de Jésus sont fixés, nos péripéties. Comme le Dieu demeure dans la lumière, si nous marchons dans la lumière, les ténèbres disparaîtront naturellement. Peu importe quel point il fait sombre à la nuit, si des centaines d'ampoules de 1000 watts sont installées dans le stade pour éclairer la lumière, l'obscurité disparaît et une image de l'étoile peut être jouée. Mais même si vous avez des centaines d'ampoules installées, cela ne suffira pas pour un match de football si vous installez des ampoules d'une centaine de watts qui sont faibles en lumière. L'apôtre Paul, qui a été appelé et rapiné par le Seigneur, est resté à Corinthe pendant 3 mois avant d'aller à Rome après avoir terminé le troisième voyage missionnaire et écrit les livres des Romains. À cette époque, la parole de l'apôtre Paul est réalisée que le mal est. Et David, lui, qui veut faire les biens, sont mentionnés dans Romains 7, 21, 23. Il est dit, donc, moi, cette voix,
quand je vais faire revenir le mal qui est attaché à moi, quand je prends plaisir à la redresser, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres et dans ce poids qu'il est dans la foi de mon enfant et qui me rend captif de la foi du péché qui est dans mes membres et dit au verset 24, misérable que je suis, qui me délivrera du corps des êtres morts. Chers membres de ma famille, les enfants de Dieu doivent vraiment vivre dans la lumière. Alors combien d'entre eux et comprennent ces paroles, même de nombreux spécialistes de la Bible n'ont pas été en mesure d'expliquer clairement la loi de l'esprit qui est au corps, qui est au centre de la sanctification et au cœur de la sanctification. Comment Dieu le Père est-il très apte à la fin, alors il nous a fait connaître clairement ce qui est cher et à travers les enseignements sur l'esprit, l'âme et le corps, de plus concernant la mesure du foi dans Romains 12.3, il nous a aidé à comprendre clairement et dans le détail. Au fur et à mesure qu'un homme naissait et grandissait dans ce monde, ce qu'il voulait entendre, apprenait, s'accumulait, définit connaissance. Cette connaissance devient notre conscience et agit pour juger, condamner les autres. Nous avons appris par le principe principal et cette conscience est la loi de l'esprit. Que cette conscience n'est pas la vérité parfaite, nous ne pouvons pas parvenir à la paix parce que nous combattons, jugeons et condamnons chaque personne en fonction de notre attitude moralisatrice et de nos cadres. Parce que l'apôtre Paul avait aussi sa propre conscience, son attitude moralisatrice et ses cadres. Quand il avait venu des ambitions chez les Galates et a voulu visiter à nouveau, il a eu une querelle amère avec Barnabas qui voulait prendre Jean et une fois. Il est parti une fois et a rompu avec l'un et l'autre. Cependant, l'apôtre Paul a réalisé la loi de l'esprit, son attitude et ses cadres. Il a complètement abandonné alors et est devenu un homme juste et est allé travailler à Rome. L'épître a discuté dans mon disciple bien-aimé qu'il a écrit à Rome et est Timothée et Timothée. Il a dit dans 2 Timothée 4, 11. L'Excel est avec moi, prends Marc et appelez avec moi, car il m'écoute le ministère. Et si Marc et Jean appellent Marc, qui a laissé Paul et Barnabas sans surveillance pendant la mission aux Galates, lorsque Paul a prêté son attitude moralisatrice et ses propres cadres, il a non seulement pardonné à Marc, mais a également dit. Et il a mené à son ministère, il est venu un apôtre qui respectait le Seigneur. De cette façon, afin d'entrer dans le quatrième et cinquième du poids, nous devons complètement poser notre attitude moralisatrice et nos cadres. Et par une prière fervente, nous pouvons le briser au fur et à mesure que nous mourrons quotidiennement. Deuxièmement, nous devons vivre dans la lumière. Deuxièmement, le pasteur principal a dit que nous devons recevoir de la puissance et montrer l'œuvre de Dieu. Enfin, que Jésus, avant que Jésus ne monte, après la résurrection, il a dit dans l'acte 1:18, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit se prenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'à l'extrémité de la terre. Dans Acte chapitre 3, lorsqu'un homme boitait de naissance demandant l'aumône à Pierre et à Jean à la porte du temple appelé la Belle, il dit : je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Puis il s'est immédiatement retraité et a commencé à marcher. Et il a loué Dieu en marchant et en sautant. Comme Jésus l'a dit, l'apôtre Pierre était rempli du Saint-Esprit, il avait la puissance des frères, de lever les poitiers, de chasser les démons et de guérir toutes sortes de maladies. C'était pour montrer aux Juifs et à tout le monde et pour glorifier Dieu par les œuvres de puissance au nom de Jésus-Christ. Par conséquent, Dieu a ajouté à ceux qui étaient sauvés jour après jour. Non seulement les apôtres, mais aussi les diacres laïcs, Étienne et Philippe, qui étaient pleins de grâce et de puissance, ont accompli des grands prodiges et des miracles parmi le peuple. Et les esprits impurs sont partis, et les paralytiques et les boiteux ont été guéris, apportant une grande joie à la ville. Chers frères et sœurs, 각색 질병이 치료받는 것을 친히 경험하고
Où le membre de ma famille n'expérimente donc et voyant le même que le démon partait qui est du cœur, ses maladies sont guéries par notre prière avec le mouchoir de puissance. Les gens avaient une bonne conscience et peuvent avoir leur foi, tu n'es pas leur foi du Seigneur. Quand tu vois ce genre de puissance de Dieu, mais beaucoup de gens du temps sont depuis Dieu, sont corrompus, ils ne peuvent pas voir, ils ne peuvent pas voir la vie leur vie. Par conséquent, lorsque notre passé principal sort de la gloire de la résurrection et de la puissance du Dieu vivant, le Père avec la puissance de la récréation 100%, on rencontre une probable âme sur la foi du Seigneur. J'espère que tous nos membres prendront ensemble le flot de la parole de sanctification, la puissance de devenir des témoins qui prouvent le Dieu vivant. Troisièmement, le passé principal a déclaré qu'ils devront proclamer avec leur conscience de la sanctification et témoigner de l'œuvre de Dieu. Et Matthieu 28, 28, et en cette heure, je fais tout ce qu'il fait parce qu'il voici, je suis avec vous. Il est dans Ephésiens 6, 17, près de 6, le casque du Saint-Esprit, il est la parole de Dieu. Jusqu'à présent, personne n'a été en mesure de révéler le mystère de la providence et la création. Mais la providence de qui Dieu révèle, caché dans la Bible, il y a tant de passages. Nous savons où se trouvent les airs où nous rencontrerons les Seigneurs quand ils reviennent. Alors, bien sûr, béni. Il y a plusieurs prodige dans le chapitre du livre, le pasteur s'est réjoui de la grâce et de son message profond et le franchise de la sanctification est aussi si bon. Et j'espère que vous êtes appelés de le franchise de la sanctification et que vous puissiez que la parole de Dieu est juste de la terre. Après être rempli, je me souviens de deux jours de paroles de message de félicitations envoyées par notre pasteur principal pour le 30e anniversaire. Puis j'aimerais lire le message de l'espoir que ce sera le moment de me rappeler ce qu'il a dit une fois de plus. Chers membres de Manmin, vous voyez le 30e anniversaire de Manmin. Il y a 30 ans, le Père le fait aujourd'hui. Le culte d'ouverture dans la Providence a dit à cette Église de s'élever et de prier. Selon cette parole, nous avons construit l'Église qui s'élève et prie. Et même maintenant, Dieu le Père a accompli sa Providence envers cette Église d'une manière que Dieu l'a de penser de la sagesse humaine. Juste comme il fait le plus sombre juste avant l'aube, même si l'obscurité semble couvrir le monde depuis un moment, mais il est méréblissant de gloire tant derrière elle. La dernière gloire de cette Église sera plus grande que la première. À l'attente de ce jour de gloire, j'espère que vous deviendrez plus unis dans les seigneurs qui vous vaincrez et qui nous voient faire. Pour me manquer d'autant plus aujourd'hui, frères et sœurs, je vous aime et montre le membre fidèle et immuable souvent dans mon rêve de manière vivante. En particulier, ceux qui entreront dans le Nouveau Jérusalem, je complérerai sûrement la puissance de la résurrection à 100%. Je vous verrai bien. Combien sa confession de foi est touchante et stimulante, chers membres.
dans ma mine, avant glorifier le Dieu vivant, le Père, le Seigneur du monde et sauver les peuples, âmes avec la parole des vies, et la grande et étonnante vie. Dieu le Père, Dieu le membre de ma famille, pour le Christ et le roi de Dieu, ainsi que le Seigneur principal, comme celle-ci, le roi de Dieu, le prophète d'Israël, qui n'a pas péché, les dieux du principal, et a fait de nous les restes et les rejetons plein de Dieu. 우리 남은 자들이 또 하나의 새로운 만민의 장을 펼쳐 나갈 시간이 되기를 믿습니다. 출애굽고 사신에서 영광을 받은 이스라엘 백성들이 여호수아의 인도 아래 가나안 땅에 들어갑니다. 광야에서 떠돌며 고난을 훈련을 받은 이스라엘 백성에게 가나안 땅은 어떤 의미가 있겠습니까? 그들에게 가나안 땅은 적국구리 흐르는 땅이요 안식의 땅인 것입니다. 우리 만민의 성경도 성계를 보므로 스스로 연단하며 40년을 달려왔으니 이제는 가나안 땅에 입성하여야 하지 않겠습니까? 하나님께서 세우신 모세의 후계와 여호수아의 강력한 지도 아래 믿음으로 가나안 땅에 들어갔던 이스라엘 백성처럼 우리 성도들도 직무대행님의 강력한 지도 아래 하나가 되어 솔직히 가나안 땅에 들어가서 그 땅을 정복할 때인 것입니다. 오늘은 정치인 가나안 땅 문화 사모는 충북 세례를 삼은 목 우리의 마음속에 있는 기질을 완전히 정복해 나가야 하는 것입니다. 이스라엘 백성들이 40년 광야에 vaincre la contre-culture avec l'objectif de la nouvelle Jérusalem à laquelle nous aspirons tant, qui est la terre spirituelle du Canaan, après que les Israélites ont quitté l'Égypte et ont été entraînés dans le désert pendant 40 ans. Ils sont entrés dans le pays des Canaan sous la direction de Josué, le successeur de Moïse, mais Josué, Caleb et la deuxième génération d'Exode ont dû combattre les habitants du pays et prendre la possession de la terre en héritage. La terre d'un Canaan était depuis longtemps et Caleb demanda à Josué d'aller conquérir le pays le plus difficile, le pays des descendants d'Anak. Il est dit dans Josué 14, « Donne-moi donc cette montagne, l'Éternel a parlé dans ces temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve Anakim et qui a de villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. » C'est une certaine chose où Caleb est scientifiquement fidèle à Josué et s'élève pour la vie courageusement pour aider Josué. À cette époque, Caleb est dévié car il n'était pas de la deuxième génération. La Bible dit qu'il avait 85 ans. Finalement, Caleb chassa les Anakims et chassa les fils d'Anakim. Et pris Hébron. Dans Josué 14:14, il est dit que c'est parce qu'il suivait pleinement l'Éternel, Dieu d'Israël, parce que Caleb a pleinement suivi l'Éternel, il a sacrifié sa vie, il a risqué à volontairement conquérir la terre la plus difficile. C'était fortifié parce que Dieu était avec lui. Caleb a donné sa chose la plus précieuse à dire. Comment Dieu ne peut-il pas pitié de bénir Caleb qui a donné une chose de plus précieuse à dire? Et il faut voir la mer qui a parlé du pays d'Israël. Les descendants forts et géants d'Anak ont dû vivre dans la terre la plus fertile et la plus beau. Israël Israël qui a été combattu avec Caleb et devenu le premier juge d'Israël et a sauvé Israël. Quelle grande bénédiction attendent dans le royaume du ciel. Chers membres, Dieu a été avec l'autorité principale et vous a formé pendant 40 ans pour vous conduire à la deuxième génération d'Exode et entrer dans le pays des Canaanites. Acquis aux paroles du prophète Moïse, qui a toujours prophétisé la parole de Dieu et acquis Josué, son successeur, sans aucun doute, ainsi d'un seul cœur dans la foi, et puis retraverser les Jourdains et entrer dans le pays des Canaan. C'est maintenant le moment où Caleb et qui a dit avec moi, donne-moi de cette montagne. Le pasteur, les ouvriers, les membres doivent s'élever respectivement dans la foi et de le pasteur principal par intérim, nommé par Dieu, à travailler ensemble pour le problème. L'âge actuel de l'Église avec toi. Si nous avons un seul esprit et plaisant à Dieu, le Père, il nous conduira à prospérer, à travailler pour le Père actuel de l'Église, qui semble être une montagne difficile comme nous le faisons pour toi. Je prie au nom du Seigneur, le membre de ma mine, vous lever et prier pour accomplir la mission du grand sanctuaire, l'évangélisation nationale et la
mission mondiale. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci encore pour ce 40e anniversaire. Père, merci pour toutes choses. Permets que nous puissions vraiment être complètement transformés pour que nous puissions vraiment atteindre notre canon spirituel. Permets que nous puissions avoir toujours l'objectif de la Nouvelle Jérusalem. Permets que nous puissions être transformés, que nous puissions vraiment nous débarrasser de tout ce qui est mal, que nous puissions vraiment marcher dans la lumière. Père, permet que nous puissions aussi évangéliser, que nous puissions changer complètement, Père. Permet que nous soyons unis, Père, comme un seul homme, pour que nous puissions marcher comme la deuxième génération d'Exode qui a pris possession du pays des Canaan, qui est de la même manière que nous puissions vraiment prendre possession de la terre, Père, le roi spirituel. Nous avons l'objectif de la Nouvelle Jérusalem. Père, change-nous, Père, transforme-nous avec ta parole. Permet que nous puissions toujours prier, Père, quoi, avec ferveur, que nous puissions te plaire, Père de gloire, que nous puissions marcher dans la vérité, que nous puissions être complètement transformés pour te glorifier. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, je sais prier. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière du prêtre principal. Et si vous pouvez poser pour les séries parties malades, si on peut entrer pour le dire de votre cœur, et recevez cette prière avec foi. Alléluia, Chonnengashin. Alléluia, Dieu puissant, oh Dieu d'amour, s'il te plaît, pose ta main sur tout le croyant qui reçoit cette prière maintenant. Entre tes œuvres et transcendant le temps et l'espace, sur tout ce qui sert cette prière, sur Tissienne, et s'il te plaît, via le satellite, et ce qui se passe dans son cœur local, et sur tous les enfants de Dieu, partout à travers le monde, dans leur foi de croire, du fond de leur cœur, chasse tout ce qui est pensé négatif et doute, et chasse tout ce qui est test et preuve. Jusqu'à la tête de la partie interne du jointier positif, dans toutes les parties malades, constituées avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne la divinité appelée Satan, le souffle de maladie, cœur, malgré ses infirmités, quitter l'île et la lumière. Et la maladie en phase terminale, la maladie incurable, avec le feu du Saint-Esprit. Chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris et la malaria, toutes les maladies contagieuses telles que la grippe, la maladie qui protège les sortes de germes et de virus. Il guérit tout ce qui concerne les instruments de poumon, les seins, les intestins, les sida, les sébilles, les cérébrales, les personnes sur l'hypotension, les diabètes, les problèmes de thyroïde, de cœur, de poumon, les maladies de femmes et sur l'inflammation, quittez-les. Il guérit tout ce qui est pollué, abaissé, arthrite, arthrite discale, la douleur dorsale, maux de tête, néphrogie et toutes sortes de douleurs qui disparaître. Éclipse au titre, dépression, névrose, autre maladie mentale, quittez-les. Toutes les paralysies, qu'ils soient guéris, que les paralytiques se lèvent et marchent, que les artistes puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent et que les sourds entendent. Guéris tout ce qui est fait secondaire, toutes sortes d'accidents, et guéris les artistes fracturés. Et tout ce qui est brûlure, la perte qui est la sensation de chaleur puisse disparaître. Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Les pieds, les sortes de dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux problèmes de subsistance. Permet qu'il y ait le tissu, le cellule mort soit rappelé de mort à la vie. Dans tes enfants, la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne les pitiés avec Satan et puisse pousser et le côté sport dans le but céleste et l'air quittez-les. Permet que tout le monde prenne un véhicule et permet que la famille soit évangélisée. Protégez les sortes d'accidents et les au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent bénir et puis prospère sans problème avec le ferment du Saint-Esprit. Après Céleste, les anges et avec les yeux enflammés, protégez tous les enfants, leurs familles et leur lieu de travail et leurs affaires.
Dieu les étudia, la sagesse et l'intelligence de l'air, la sagesse et la perfection du bien étudié. De plus, garde la pensée des choses mondaines et permet qu'ils puissent aimer avec plus de ferveur. Les enfants mangent, boivent, dans tout ce qu'ils feront, le plus bien qu'ils puissent faire pour te glorifier, Père Dieu. Ils sont capables de témoigner aussi des milieux vivants du temps. J'ai rencontré, expérimenté Dieu. Merci de ces réponses et de ces bénédictions. Père Dieu, merci. Sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.